plus, c'est une maison qui a 90 ans, qui fait de la valorisation des voitures. Elle fait également de l'édition de logiciels. Elle fait de la presse, puisqu'on édite toujours le journal L'Argus, avec une régie publicitaire. On fait du conseil, on fait également, on a une société de recrutement. L'ERP, c'est l'outil back-office finance de l'ensemble en fait du groupe, de toutes les sociétés du groupe. L'idée, c'était plus de préparer tranquillement cette montée de version avec les métiers en interne et non intégrateur. Sur la partie technique, la migration des données, elle a commencé cet été, l'été dernier, en fait, au mois d'août. Quand on est rentré de congé en septembre, on a stabilisé tous les aspects techniques. Après, mon intégrateur, lui, il est passé dans la phase transfert des spécifiques. Et donc, ils nous ont livré une solution, une première solution en fin 2017. Et puis bon, moi, ça m'a permis de rentrer en phase avec mes métiers, commencer à planifier leur intervention, la recette, les cahiers de recettes.